Alliés, il y a eu des hordes d'envahisseurs qui vont rappliquer. La gangrène migratoire, c'est le terme exact. Hein. La métaphore microbienne n'est pas choisie par hasard. Donc la gangrène migratoire va arriver à Varennes-sur-Allier et il faut que les habitants planquent leurs femmes et leurs fillettes. C'est textuellement ce qui était écrit sous la signature d'une dénommée Christine Tazin, professeur agrégée de lettres classiques. Mon Dieu. Voilà. Bon. Donc, mardi matin, ayant lu ça, et comme ça nous concernait, puisque c'était Varennes-sur-Allier, que c'était l'Allier, j'ai, au nom de la Fédération syndicale unitaire, syndicat dont je suis responsable départemental, envoyé un message à toutes les organisations issues du mouvement ouvrier, démocratiques et laïques. C'est-à-dire que ça allait du Parti Socialiste à Alternative Libertaire, et nous nous excusons si on en a oublié. Ceci a abouti, dans la journée, à une prise de position de la très grande majorité de ces organisations, puisque ça comportait tout le panel que je viens de vous dire, ainsi que toutes les organisations syndicales. Hein, c'est important de le préciser au passage, la FSU, l'UNSA, l'Union départementale CGT, l'UDC-FDT, les unions locales forces ouvrières de Moulins-Vichy-Montluçon et de Varennes, solidaires. Et puis donc, je ne vais pas refaire toute la liste, hein, cette première prise de position portée sur la dénonciation et la condamnation de ce qui était écrit sur le site de Riposte Laïque. Nous n'étions pas encore au courant, parce que c'est tombé dans la journée de mardi, du fait qu'ils allaient carrément appeler à ce que, à juste titre, on devrait appeler un attroupement, qui aurait dû avoir lieu tout à l'heure à 12h30 devant la mairie ici. Donc deuxième épisode, on voit que Riposte Laïque appelle à un rassemblement pour barrer la route à l'invasion, c'était l'affiche, hein, stop à l'invasion migratoire dans l'Allier, donc stop à la gangrène migratoire, et le même délire sexualo-raciste, parce que c'est des fantasmes de ce genre-là qui sont mis en branle, ceux-là même que les nazis en leur temps ont utilisé. Donc on voit qu'ils appellent. On apprend aussi par ailleurs, hein, via la mairie tout simplement d'ailleurs, hein, puisque le maire de Varennes était directement attaqué sur le site de Riposte Laïque. On apprend donc aussi par ailleurs que l'autorisation de manifester tout à l'heure à 12h30 avait été déposée par Claudine Lopez, qui à cette date-là était responsable départementale du Front National. Donc, deuxième épisode, le regroupement unitaire pour condamner la position de Riposte Laïque débouche sur un appel au présent rassemblement de 10h30 par en grande partie les mêmes organisations, plus d'autres qui se sont rajoutées. Bref, la dynamique était lancée. Le troisième épisode est arrivé, sauf erreur, avant-hier, où... c'est-à-dire jeudi, où on a appris dans l'après-midi que le Front National décommandait le rassemblement de 12h30, Claudine Lopez expliquant qu'il y avait un risque d'infiltration par des éléments d'extrême droite. C'est quand même un feuilleton remarquable. Et donc, inquiet de ce risque d'infiltration, il décommandait. Alors, un autre événement s'était produit dans l'intervalle. Je ne sais pas si tout le monde a fait le lien. Je pense qu'il faut le faire. Jeudi matin, l'avocat de Riposte Laïque, je ne sais plus son nom, a tiré 3 balles sur le bâtonnier de Melun, puis s'est suicidé. Et le groupe Riposte Laïque, sous la signature de la même Christine Tazin, qui avait appelé les habitants de Varennes-sur-Allier à planquer leur fille, le groupe Riposte Laïque a donc, tout de suite, hein, dans l'heure qui a suivi, il y avait un article sur leur site, expliquant que leur avocat était un patriote qui avait été assassiné, quoi, alors qu'il avait tiré sur... Bon. Donc ça devenait quand même un peu sulfureux, cette histoire-là. Et le Front National a amorcé un rétropédalage. Rétropédalage qui, se combinant à leurs contradictions, s'est amplifié hier avec la démission de Claudine Lopez du Front National. Bon. Je crois qu'on a eu une double démonstration politique extrêmement importante.
La première chose, c'est que on a réalisé une unité qui, je le répète, et j'y tiens, malgré tout ce que moi-même, syndicalement, je reproche au gouvernement que nous avons, mais une unité qui va du Parti Socialiste à Alternative Libertaire. Si ça a été possible de faire cette unité, c'est en grande partie parce que les syndicats ont été moteurs, précisément parce qu'ils sont indépendants. Indépendants aussi bien de l'État, de la préfecture, que des politiques actuellement suivies, qui nous posent problème et qui interfèrent avec ce qui se passe, mais qui ne sont pas le sujet du rassemblement de ce matin. Donc, cette unité a contribué à faire reculer le Front National. L'unité du mouvement ouvrier, démocratique et laïque. La deuxième leçon, me semble-t-il, c'est que les contradictions du Front National sont apparues dans cette affaire, parce que c'était quand même un peu compliqué de répartir les rôles. En gros, riposte laïque, c'était les méchants, Claudine Lopez, c'était la gentille. On avait une répartition des rôles. Officiellement, le Front National est propre sur lui, mais en même temps, il dépose des autorisations pour une manifestation visant à appeler les gens à planquer leurs fillettes, pour pas que les envahisseurs viennent les violer pour pervertir la race. Je développe la pensée jusqu'au bout, hein, histoire que les choses soient explicites, parce que c'est de ça dont il s'agit. Bon, et cette espèce de stratégie du double langage, là, elle aboutit à un couac, quoi, évidemment. Hein. Mais c'était bien une pure manœuvre au point de départ, une répartition des rôles. Ne soyons pas dupes de cela. C'est-à-dire que la nature profonde de ce qu'est le Front National, je ne parle pas de tous ses électeurs, mais la nature profonde de ce qu'est le Front National, on l'a vu clairement là. Et ce que nous avons fait a permis de porter un coup à ça. Voilà, bon, à titre à la fois, au nom de mon organisation, la FSU et personnel, ce qui me semblait important de vous dire à tous. Alors après, ben écoutez, on est là jusqu'à midi, les intervenants qui souhaitent, les organisations qui souhaitent intervenir peuvent le faire. La parole est totalement libre. Et...